Bonjour à tous, 56e vidéo de renforcement musculaire. Aujourd'hui, un spécial Summer Body. On va préparer notre corps pour cet été. Je compte un petit peu tous les jours, mais là on va amplifier avec des élastiques. Vous avez l'élastiband, mais on va aussi utiliser une autre sorte d'élastique. Eh oui! Alors vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas, vous servir, essayer de voilà, faire un nœud, de passer l'un dans l'autre, enfin il y a tout un tas de possibilités. Il y avait aussi, j'avais vu aussi dans un tuto, j'avais vu ça aussi avec des collants. Vous prenez une paire de collants, vous en faites comme un élastique. Vous coupez et puis vous mettez comme un élastique. Je retrouverai le tuto, je prendrai des collants et je vous montrerai une prochaine fois. Ce qu'il nous faudra aussi, le tapis de sol pour la deuxième partie du cours. Votre bouteille d'eau pour vous hydrater, votre bonne humeur, votre joie, on y va. Allez, je pose tout ça. Et on y va pour l'échauffement. Allez, on y va, c'est parti. On court. Ça, on sait. Allez, on y tonique. Pour un spécial Summer Body. Allez, tonique. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Allez. Lorsqu'on court, laissez toujours de maintenir son ventre. On rentre serré. Allez. Encore. Ouverture, fermeture. Allez, hop. 1, 2. C'est un chauffage.
Pas besoin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, le bassin. Tourne bien dans un sens. Et dans l'autre encore. Déverrouille tout ça. Sur le côté. Latéral. 7. Ah, pas pareil, c'est summer body. Épaule. Allez, tourne bien. D'un côté. Et de l'autre. Étire. Et jambes plates. La tête. Devant. Derrière. Connaissez un petit peu mon mode d'échauffement du corps, des pieds, à la tête. Allez, c'est parti. On va attacher l'élastique au pied, un 4. Alors, soit vous attachez l'élastique un 4, ou vous pouvez mettre aussi le gros élastique. Je vais mettre celui-là pour vous montrer. Allez, tu rentres dedans. Tu le mets en place. Alors ça se trouve partout, ce genre d'élastique. Sans nommer de marque, je pense que c'est Decathlon dans le monde. Ou dans d'autres magasins. Oups, j'ai cité une marque. Autant pour moi. Allez. Voilà. Le genou, il est là. On a hauteur. Fin de cuisse. Mais bien en place, il a tendance à rouler un peu. Attention sur ta jambe gauche pour maintenir une jambe d'appui. Et pareil, tu ouvres, tiens-toi droite. Allez, tu ouvres et tu fermes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaie de descendre un peu, ça va bien sentir. Voilà, parfait. Il est vraiment au-dessus du genou, pas sur le genou. 3, 4, 5. Là, on sent bien. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu poses, là, on sent de folie travailler. Tu ouvres les fenêtres, vous connaissez, c'est vite chaud. Allez, on fait de l'autre, on essaie de bien replacer son élastique, qui ne roule pas. On prend appui sur notre jambe. Et tu fais une belle ouverture, fermeture. Tu te tiens droite, tu vas absorber ton ventre. 5, 6. Et là, vous allez vite sentir travailler. 8, 1, 2. Alors avec l'élastique bande, je pense continuer. On peut faire un micmac de manière à l'accrocher. À l'accrocher et à faire un nœud, par exemple. C'est faisable si vous n'avez pas d'élastique comme celui-là. Hop, je reprends mon exercice. J'espère que vous n'êtes pas arrêté, je vais juste vous montrer ce que vous avez avec l'élastique bande. Le seul problème avec celui-là, c'est que tendance à se rouler. 2, 3, 4. J'en trouve peut-être à 2, 5, 6, 7, 8. Encore, allez. 1, 2, continuez. 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, sinon c'est parfait, 5, 6, 7, 8, reste sur place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, allez, étirons, 2, 3, 4, 5, ça maintient bien, ça fait vraiment une pression, 7, 8 encore. 1, 2, là, on sent bien que c'est travaillé. 3, 4, 5, mais pas que. Les quadriceps aussi. Passe de l'autre côté, il faut faire notre fixe et nos ronds. Donc, c'est vrai que le seul souci, l'inconvénient, c'est qu'il a tendance à partir. Peut-être trouver un plus large. Allez, on retourne dans l'autre jambe, on fait notre fixe. Allez, attire ton ventre. Rond, pardon. Non, j'ai pas fait le fixe. Oh là là, je m'embrouille ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Les dés arriveront. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Attire, attire super bien. Hop, remettez votre élastique, la tendance à faire comme moi, à partir un peu, à s'enfuir. Le coquin. Allez, on va se mettre. Simplement, on va taper le sol et monter. Et là, c'est tout un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8, 7. Six, même si l'enroulé, c'est pas grave, c'est son job. 4, 3, 2, et dernier. Et on fait de l'autre côté. Hop, je le remets en place. Celui-là, il n'y a pas de décathlon, donc je ne sais pas. Enfin, je vais aller avec eux. S'il y en a un, il faudra faire la faire. Là, je m'en servirai quand on sera au sol, parce que là, c'est un peu problématique, c'est qu'il s'envole trop facilement. Vous avez vu, je sais, allez-vous. Comme ça, hein. C'est comme du direct, ne vous attendez pas. Allez, on lève et on tape derrière. Allez, après. Je vais le descendre un peu, plus d'effort. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça permet de changer un peu l'exercice où on met allez, la suivante dans chaque pied. Enfin, hein. Sur les chuilles. Là, on vraiment travaille plus en hauteur, plus vers le haut. 4, encore. 5, 6, 7. Ça maintient bien les deux cuisses. Donc, on travaille vraiment les quadriceps, les adducteurs hein, et les fessiers. 6, 7 et 8. Comme vous avez essayé avec. On va retirer celui-là. Je me servirai au sol. Je vais le mettre là sur le tapis. Vous avez essayé avec les assis bandes. Je peux voir avec vous. C'est parfait. Vous passez entre le dernier nœud. Hop. C'est comme un nœud en fait. Hop. Et voilà. Ça fait comme un nœud. On essaye celui-là. C'est un petit peu moins serré. On va peut-être le serrer un peu plus. Mais c'est pas mal non plus. Et en haut, descends-le un peu. Ouais, c'est pas mal non plus. Allez, c'est reparti. On en fait 2 x 8. 4. Lève bien le genou et tape bien derrière. 5. 6. Dans l'équilibre. 7. 8. Encore. Allez. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous se levez? Allez, vous se levez. Lève le genou et tape derrière. Allez, c'est parti. 1, tiens-toi. 2, en tombant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Allez, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu glisses, n'importe quoi. Allez, on ressort de cet élastique banc qu'on va garder pour tout à l'heure également. Vous allez attraper vos petits haltères. Allez. Je prends ce glisse. Ça va? Allez, c'est parti, retraillez un petit peu les bras. Mettez-vous en squat large. Recule un peu. Bascule le bassin, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les fesses sur l'arrière. On va rester le dos droit. Allez, on y va. Biceps.
3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Allez, sinon vous pouvez aussi prendre une bouteille d'eau au poids du corps, comme vous voulez. 5, 6, 7, 8, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tends les bras. Allez. 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, continuez, je vais vous remonter, 6, 7, coucou, 8, encore, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, allez, 1, 2, moi j'ai pris la terre de 1,5, si vous voulez savoir, 4, de chaque main, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, prends ton ventre, 6, 7, et 8, allez, tu poses, les bras c'était vite fait, je vous redescends, ouais, j'ai pas une personne qui le fait. On débrouille avec. Allez. Sente avant. Allez, monte, descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Allez, 1, 2, 3, 4. Vous allez bien, les genoux ne dépassent pas les orteils devant et derrière. Vous êtes sur les deux pieds. 5, 6, 7. Hop, plus un échange. La septième fois. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. Squat. Cette fois-ci, vous balancez bien les pattes sur l'arrière. C'est des vrais squats. Des squats un peu plus large que le bassin. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus large, lève le bras, descends, renforce, gagne tes abdominaux, tu descends, t'envoies tes obliques sur le côté, tu lances pareil. Allez, 1, 2, 3, t'es en squat haut, large, ok? Pour votre question, 5, allez, 2, encore, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, allez, tonique.
abdominaux. Prenez un peu d'eau. Allez, toujours avec l'élastique. On va taper devant et derrière talon. On engage les abdominaux. 1. Et tu tapes derrière. D'accord? 1. Devant, pas besoin que ça soit bien haut. Et compte que l'élastique soit bien tendu. Je vais travailler comme les fesses. 1. Et derrière. Les fessiers. On y va? On va aller de chaque côté. 1. 2. Si vous les posez entre deux, si vous perdez l'équilibre, vous pouvez si vous voulez faire direct, vous pouvez aussi. C'est parti, encore deux fois 8. 1, 2. Bien. Vous pouvez le faire sur l'élastique aussi. 6. 7. 8. Allez, on lâche pas les 8 derniers, même jambes. Allez. 3. 4. Là, on travaille bien les jambes. 5. 6. 7, 8, waouh, ça va? On y retourne, 3 fois 8 de l'autre côté quand même. Yes, allez go. On replace un peu les élastiques. Allez, devant et derrière. Allez. N'oublie pas, rentrer ton ventre. Contrôle tes mouvements à chaque fois. Devant, derrière, coup de talon. Allez, encore. 2. 3. Au début, c'est simple. Mais après, c'est un peu plus dur. 7. 8. 8 derniers. Allez, courage. Bien le coup de talon pour bien faire travailler la fesse. Allez, encore 4. Allez, courage. 7. Et 8. Bravo. Bravo. Allez, prenez votre tapis. Je vais vous plonger un petit peu plus. Voilà. Hop. Alors. Hop. On retire l'élastique bande en mode classique. D'accord? Soit vous prenez l'élastique bande et des nœuds pour que les deux jambes soient entourées. Soit je vais retenter avec mon élastique entièrement. Allez, mets-le bien en place. Mets-toi bien sur le côté. Voilà. En mode position plage. Vos jambes l'une à côté de l'autre. Voilà, vous allez placer votre élastique. Et simplement, du coup, vous allez bien tirer, monter la jambe. Et là, vous allez sentir au début. Waouh, facile. Mais au fur et à mesure, vous allez vous comprendre. Allez, courage. 1, 2, 3. Et là, c'est parfait pour grignoter toutes ces petites graisses qu'on n'aime pas. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5,
Vite, ça tire, hein. Vite, vous avez dit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on passe de l'autre côté. Je vous avais dit que ça tirait. C'était pas un bon mot. Allez. Hop, positionnez-vous. Genou contre l'autre. Et on monte, on descend. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On le sent, hein? C'est génial. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on se place sur le dos. Donc j'ai tourné, je ne sais même pas pourquoi. On passe au-dessus des genoux. Ouverture, fermeture. Vous mettez les pieds de chaque côté du tapis, d'accord? Pour la hauteur, en fait, il faut bien travailler sur les côtés de la cuisse. Vous savez, là, ici, là, comment on appelle ça? C'est culotte de cheval. Allez, inspire, souffle. Voilà, on y va. 2, 3. Aspire ton ventre, profite-en. Serre le périnée. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Redressez un peu les épaules, voilà. Sans tirer sur la tête, sans tirer sur les cervicales. Simplement, on décolle les épaules. On va travailler les abdominaux en même temps. Allez, courage. 1, 2, 3. Vous sentez que l'abdomen travaille? Mais pas que, les cuisses aussi. Les adducteurs à l'intérieur, mais c'est pas mal à l'intérieur. On est censé travailler. Et sur les côtés aussi. Allez, encore. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on change de temps. Ça vient bien. Là, ça tient, on a les pieds sur le tapis. Replace son élastique. Allez, lève, tu descends. Ouverture, descends. Allez, aspire ton ventre. Inspire, souffle. Contracte ton périnée. Profite-en. Quand tu montes, tu serres bien les fessiers. Après, tu ouvres les antérieures cuisses, ouvres les cuisses. Donc, ça permet de travailler les antérieures cuisses. Quand vous mettez vos mains, vous sortirez bien vite. Hop, tu refermes et tu redescends. Le ventre, il est absorbé, d'accord? Prenons le profil pour maintenir le périnée en place. C'est que du bonus. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3. En ton ventre, n'oublie pas. 4. Inspire, souffle. 5. 7, 8. Allez, les 8 derniers. Parce qu'on a le temps. 2, 5, 6, 7. Et les 8. Allez. On va placer l'élastique autour du genou. Au sol, est-ce que vous voyez? Assis autour d'une cheville, l'autre autour du pied. On se pose sur le côté, la jambe est tendue, celle qui est au sol, et l'autre elle va monter jusqu'à la poitrine. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, oui, on sent, hein. 3, je ne peux pas dire. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on change de côté. Alors,
Du coup, à l'autre cheville, l'autre au pied. On se met sur le côté. On prend la jambe pied au sol et l'autre va venir à la poitrine. Ça vous va? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, on tire bien. 5, 6, 7, 8. Encore. Allez, summer body. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On fait les pilates en avant. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, si ça roule, on remet. Hein. 3, on ne s'inquiète pas. 4, 5, 6, 7. En tout cas, c'est super efficace. Hein. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de sens. Allez, on va mettre autour des chevilles, à mon choix, dans les jambes et on va travailler les intérieurs cuisses. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai entendu. 8. Encore. Prends ton ventre. 2, mon trac de périnée. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier. Allez. On met celui-là, on attrape l'autre. Allez, à 5. Hop. Allez, 1, 5. Allez, on se met sur les genoux. Je regarde juste. Excusez-moi, on va revenir à 1-4. Parce que je pense que 1-5, ça va être trop facile. Allez, 1-4. Hop. J'ai envie de tenter 1-5, mais après cet élastique-là, ça va être trop facile. C'est pas le but. Allez, genoux, poitrine et on lance derrière. On affine la silhouette. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, de l'autre côté, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien derrière, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier. Mets-toi position d'enfant pour te tirer, je vais regarder le timing. Ça passe, ça passe. Allez. On va se mettre
Encore sur les genoux. Et là, tu vas emmener, je sais, j'aime bien cet exercice-là, le genou à la main opposée, avec l'élastique, ça va durcir un peu plus l'exercice. On va jusqu'au poignet, on descend, on remonte, et on repart, et on y va pour l'autre jambe. Ok? Allez, sur les mains et les jambes, emmène. Descends, reviens. Descends, reviens. Allez. Là, avec l'élastique. 2, 3, 4, 5. Allez, inspire, souffle. Allez, encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ça va? Allez, enlève l'élastique. Là, on sent bien qu'on a travaillé les abdominaux, les cuisses, les adducteurs, les quadriceps, les ischios jambiers. Et là, on oublie. Alors, dernier exercice, je pense, de temps. On va faire la même chose, sauf que au lieu d'emmener genoux au poignet, on va tendre la jambe sur le côté. Sur le côté, reviens, et sur l'autre. C'est un gainage absolu. On gagne bien les abdominaux, d'accord? On inspire, on souffle, on maintient tout son corps. Let's go. Allez, pose tes mains. Tes pieds. Gagne ton ventre. Envoie. Et de l'autre. Tu poses pas au sol. Allonge-toi.
mérité cet étirement. Étends tes jambes. Étends les bras. Voilà. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Attrape les genoux. Petit câlin. Allez. De chaque côté. Masse ta petite colonne vertébrale. Pose ta cheville sur le genou gauche, par exemple, ma cheville droite sur le genou gauche. Attrape la cuisse et tire vers toi. Laisse faire l'étirement tranquillement. Inspire, expire. Tranquillement. Prends plaisir à t'étirer. Sens les petits muscles s'étirer tranquillement. Voilà, vous avez très bien travaillé. Donc, on a testé l'élastique. Je ne sais pas comment il s'appelle cet élastique. Il est complètement relié. Avec l'élastique board, l'élastique board est très bien. Cet élastique-là est très bien. Sauf que j'arrive à en trouver un autre qui ne roule pas. Je ne sais pas. À voir. Mais il est très bien pour travailler. Surtout quand tu es au sol. Mais ça, c'est du top du top. Franchement, c'était travailler encore plus que l'élastique board. On va dire différemment. Mais quand même, je ressens une plus grande, un plus grand exercice. C'est bien d'essayer des nouveaux trucs. Comme ça, je teste avec vous. Je vous dis ce que j'en pense. Allez, étends les jambes. Attrape le genou droit. Bascule sur le côté gauche. Et tu regardes à l'opposé. Et ton bras droit est ouvert. L'autre bras qui est là, maintient le genou qui est plié pour intensifier l'étirement. Voilà. Respire tranquillement. Laisse rentrer l'air, tu peux laisser la bouche ouverte, ça permet de respirer tranquillement. Donc le bras est ouvert de l'autre côté, à l'opposé. Et le regard est à l'opposé aussi. Reviens. Voilà, repositionne-toi. Donc là, tu tords la jambe droite, tu plies le genou gauche, tu tends. Voilà, alors les épaules sont au sol, qui permet justement le bras qui est ouvert à l'opposé d'appuyer sur l'épaule qui se met au sol. L'autre main permet d'intensifier l'étirement. Voilà. Super. Ça part bien fou. Respire tranquillement. Profite. Profite de l'étirement. Moi, j'aime bien. C'est comme au yoga, ils font leur moment de repos en fin de série. Et bien là, c'est un peu pareil. Les étirements, c'est pareil. Allez, on revient. C'est notre temps de repos. 3, 2, 1, redresse-toi, enroule-toi et déroule-toi. Allez, le bassin d'un côté et de l'autre. Je vous redresse pour que je puisse vous voir. Bravo. Allez, étire un omoplate en haut de chaque côté. Voilà, étire les obliques, la tête. De l'autre côté, circulaire, et de l'autre. Allez, applaudissez-vous. Bravo, bravo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un prochain cours. Bye bye.